Lumière du ciel, d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et angoïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. De la vie, comme Manu de la vie. Nous allons parler à Mimien Dissier d'ailleurs des 7 jours de la semaine avec et le mystère. Les 7 jours de la semaine. Maman Blandine est connectée. Blandine Rosier est connectée. Rola Anouman est connectée. Vielzam Ben est connectée. J'ai vu également Ariette, maman Ariette est connectée. Maman Ariette Kwame est connectée. Que Dieu te soulage, ma grande. C'est un mauvais vent qui va passer. Voilà, nous allons parler de ces choses-là, hein, de ces choses. Maman Linda aussi est connectée. FC Bello, voilà, FC Bello. Voilà, Merline aussi est connectée, maman Merline. Thierry en Allemagne, voilà. Donc, ami Miendissé d'ailleurs, merci pour votre fidélité. Lisa Bafoussam aussi est connectée. Merci pour cet honneur que vous me faites chaque fois que je suis en direct. Vous sacrifiez vos nombreuses activités tout simplement parce que Mary Gondé est connectée, tout simplement parce que vous voulez me faire plaisir. Emeline Gambani est connectée, voilà. Nous allons parler des jours de la semaine. Régine Ndale, Emane, maman Régine Ndale, Emane, Emasso. Comment tu vas, madame? Voilà. On ne souhaite pas bonne année, hein? Bonne année, là, c'est le 28 février. Voilà. Ça va tuer, ça va déménager. On n'entrera pas dans la nouvelle année avec le même statut. C'est pas possible. Quelqu'un va mourir. Ouais. Quelqu'un va mourir. Voilà, partageons le direct. Voilà, nous allons parler à Mimien Dissier d'ailleurs des 7 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et leurs différents mystères. C'est très important. Tout ça, c'est pour déchirer le voile de l'ignorance, parce que l'ignorance, à Mimien Dissier d'ailleurs, n'a jamais sauver quelqu'un. Nul ne peut aspirer au bonheur en se couvrant, n'est-ce pas, avec le voile de l'ignorance. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est notre rôle de déchirer chaque jour que l'occasion nous est donnée le voile de l'ignorance. On va faire direct aujourd'hui et demain. Voilà. C'est très important de direct de rattrapage. Et après le direct, je vais. J'ai au moins 5 scanners, je ne dors pas. J'ai déjà pris le café, je suis grogué même. Voilà. Parce qu'il faut finir avec ça. Voilà. Tout doucement, les pierres sont déjà au niveau du Burkina Faso. Les contacts, j'ai donné déjà. Et pour ceux qui voudront avoir les pierres au Burkina Faso, ce n'est plus un problème. Voilà. Le contact, je crois, il est là. Et le contact, j'ai balancé ça, oui. Voilà. Les pierres précieuses sont déjà disponibles au 00226-654-69-366. Je reprends 00226. C'est l'indicatif, le 654, le 69, le 360, le 306. Voilà. Donc, le stock est vraiment limité parce qu'on va tout doucement. Tout doucement. Appelez et sans problème. Il y en a qui demandent l'encens yode. Ne soyez pas pressés. Vous serez aussi ravitaillé, vraiment ravitaillé. Voilà. Merci à, on ne peut que dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour le bien qu'il nous apporte, pour des réponses favorables à toutes nos prières. Voilà. La gloire revient à Dieu. C'est pas Manu. Non. Je n'ai rien dedans. Mon rôle, c'est, je suis un rôle de transmission. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. C'est tout. Le reste appartient à Dieu. Voilà, amis bien tissés d'ailleurs, l'Afrique est marquée ces derniers temps par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en terre camerounaise.
C'est un honneur pour les Camerounais parce que depuis 1972, la première fois que le Cameroun a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1972. Je crois que le Cameroun avait perdu en demi-finale face à cette brillante équipe, n'est-ce pas, du Mali. Du Mali, et vous le savez tous, ce qui se passe au Mali, peut-être ça sera le premier pays africain, je peux dire de la zone francophone, qui va s'affranchir du joug colonial français. Et dans nos prières, dans vos prières, soutenez le peuple malien parce que ils sont debout. Et comme dirait Tikenja, quand l'Afrique sera debout, ah, ça va faire mal, hein. Et ça vient tout doucement. C'est pour cela que nous occupons les réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, impacter la population africaine, d'abord en déchirant le voile de l'ignorance, parce que tu ne peux pas gagner une guerre si tu n'es pas armé suffisamment. Et quand on dit être armé suffisamment, c'est tout ça, spirituel et tout, 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 tout. Voilà. Donc le combat ne sera pas facile, mais nous sommes convaincus que nous gagnerons. Voilà. Et le Cameroun, comme je disais, a déjà remporté 5 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Et les 5 fois, c'était hors du Cameroun. Le Cameroun n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations sur ses propres terres. Alors, aujourd'hui, le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas rêver. Moi, je ne pense pas que le Cameroun va remporter cette Coupe. Vous savez, parce que je crois à cette loi qui s'appelle la loi du karma. Ça veut dire, comme tu es parti faire pleurer les gens chez toi, chez les hommes, là, tu viens en Côte d'Ivoire en 1984, tu gagnes la Côte d'Ivoire en demi-finale. À l'époque, le père Houphouët Boigny, père à son âme, était encore vivant. Alors, demi-finale, Côte d'Ivoire-Cameroun. Le Cameroun gagne Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire même, devant le président de la République. Et qu'est-ce qu'il dit? Il décrète le jour de la finale, Cameroun-Nigeria. Père Houphouët Boigny dit, là, toute l'Afrique de l'Ouest, dans un pays de l'Afrique centrale contre un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il demande à tous les Africains de Ouest Africains de supporter le Nigeria. Parce que si le Nigeria remporte ce trophée, au moins le trophée restera en Afrique de l'Ouest. Mais le Cameroun n'entend pas ça de ses oreilles. Nous avons fait pleurer des pays. Le pays organisateur surtout. Au Mali, je crois que c'était en 2002, au Mali. On gagne le Mali sur ses propres terres. Au Nigeria, pareil. Le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique des Nations en 2000. Dans ce stade qu'on a appelé le Mystic Stade, appelé Surulere, où le Cameroun a remporté, prend le trophée. Ah, tiens, vous-même, vous avez peur, Cameroun. Donc, ce que vous faites au peuple d'ailleurs, on va faire ça aussi chez vous. Moi, je ne pense pas que le Cameroun va remporter cette coupe. Je le dis en toute honnêteté, je veux bien qu'elle remporte, mais ça sera vraiment, ça sera difficile. On va jouer, jouer, jouer. Je crois que demi-finale, là, on va s'arrêter là-bas. Si on a trop fait, ça sera en finale. Et en finale, on va nous gagner. Pour que nous aussi, on essaie de couler les larmes comme ça, là. Parce que nous, on fait pleurer les gens chez eux. Dieu aussi va nous faire pleurer. C'est la loi du pendule. C'est ça. Moi, je crois en cette loi-là. Il n'y a pas de magie dans ces choses. Bon, c'est mon souhait que mon pays gagne. Ça, c'est mon souhait. Mais je ne veux pas me lancer comme les autres, les supporters. Bon, on a gagné, on va gagner. Non, non. Parce que je sais qu'il y a cette loi-là. Elle est intangible et immuable. Ce sont des lois universelles. Voilà. Tu as fait pleurer des gens chez toi. On va aussi venir te faire pleurer chez toi. C'est comme ça. Bon, jusqu'ici, tout se passe bien. L'hospitalité africaine, se voit. L'Ivoirien est au Cameroun. Il est chez lui. Les Algériens sont là. Tout le monde est là. Voilà. Il y a ce mélange de cultures. Ils sortent avec nos soeurs sortent avec leurs hommes. C'est ça l'Afrique. Hein? On est hospitalier, on est un, on est un. Le football unit les peuples. Voilà. Donc, bonne fête du football et que le meilleur gagne. Je souhaite que le meilleur gagne et que le meilleur soit le Cameroun. Ça, je le souhaite. Bon, à défaut du Cameroun, Côte d'Ivoire. Mais je sais, il y a un pays qui me frappe pour le Nigeria. Bon, nous ne sommes pas pour parler football. C'est mes pronostics. Hein? Ce n'est pas que j'ai jeté couru. Non, non, il n'y a pas de jeté couru dans ça. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Pour nous, aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, des 7 jours de la semaine. Qu'est-ce qu'on doit faire le lundi sur le plan spirituel?
Quel est l'ange qui gouverne ce jour-là? Parce que c'est très important, vraiment très important, très très important d'avoir ces informations. Voilà, comme vous le savez, amis bien d'ici d'ailleurs, rien n'a été créé au hasard. Les 7 jours de la semaine sont gouvernés par ce qu'on appelle des anges. Alors, un ange, c'est quoi? C'est un être spirituel que tu ne vois pas. Il peut se montrer, mais pas, tu ne peux pas le voir en fait. Il est là. Alors, c'est lui qui joue l'intermédiaire entre Dieu et toi, l'ange. En fait, c'est le messager, n'est-ce pas, de Dieu. On a l'ange de la vie, l'ange de la mort. Et ça fait peur, hein, l'ange de la mort. Mais c'est son rôle de venir ôter la mort, ôter la vie autant pour moi, l'ange de la mort. Alors, le lundi est un jour gouverné par un ange. Donc, en dehors de toutes les prières que vous faites, que vous allez faire le lundi, sachez qu'il y a ce jour, un ange qui gouverne ce jour. Et comme on dit lundi, je l'ai déjà dit maintes fois, ça vient de lune. Vous voyez, dans lundi, il y a L-U-N-E qui vient de lune. Donc, ce jour, ami bien d'ici d'ailleurs, l'ange qui gouverne ce jour s'appelle Gabriel. Gabriel. Voilà. Gabriel est cet ange qui est représenté par le métal qu'on appelle l'argent. Voilà, l'argent. Ce jour, le lundi, chaque lundi, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser l'encens qu'on appelle la myrrhe pour vos prières du lundi. En invoquant l'ange Gabriel, n'est-ce pas, qui gouverne ce jour, de désorcer vos prières. Mais quelles sont les prières que nous devons faire? Alors, l'ange intervient le lundi dans les prières, dans la lutte contre les mauvais esprits, contre la protection de nos personnes et de nos familles. Donc, le lundi, après avoir fait toutes mes prières en sortant de chez moi, je dis toujours, l'ange gardien, je te confie ma vie de ce jour, je te confie celle de ma famille et celle de ma nation, afin que le mal, même s'il doit arriver, qu'il soit supportable, que je puisse supporter ce mal-là. Donc, le lundi est fait donc, pour faire ce genre de prières, des prières, n'est-ce pas, je peux dire, de fertilité, des prières, surtout pour une femme qui va enceinter. Le lundi, vous devrez beaucoup, beaucoup prier pour demander à l'ange gardien d'intercéder, d'invoquer, je voulais dire intercéder pour que tu puisses, n'est-ce pas, tomber enceinte. Donc, les femmes qui ont les difficultés à concevoir, le lundi, si vous le pouvez, mettez-vous, faites des prières pour demander à l'ange gardien Gabriel, n'est-ce pas, de vous aider à enfanter. C'est ce jour, c'est le début de la semaine, c'est ce jour qui est favorable pour élaborer, n'est-ce pas, des projets pour résoudre des problèmes, n'est-ce pas, d'harmonie familiale. C'est ce jour que vous pouvez, n'est-ce pas, prier pour votre famille, pour vos soeurs, pour vos parents, pour vos connaissances. Le lundi est ce jour-là. Mais alors, ce qui nous importe beaucoup, c'est nos sœurs qui sont dans le besoin, n'est-ce pas, d'enfanter. Le lundi, faites assez de prières et en invoquant l'ange Gabriel, n'est-ce pas, de vous aider. Hein? Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Il vous suffit tout simplement d'allumer une bougie blanche. Vous pouvez, n'est-ce pas, activer cette bougie avec le miel, comme vous pouvez le faire avec l'huile d'olive. Et l'encens que vous brûlez pendant ce temps, c'est l'encens, n'est-ce pas, de la myrrhe. Souvenez-vous, quand l'adorable sauveur du monde, Jésus est né, on nous dit qu'on lui avait offert 3 encens. On parle de la myrrhe, on parle de l'or. Il y avait également, n'est-ce pas, le Liban. C'est un autre encens, mais on ne dit jamais le Liban. Voilà. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, c'est ça que vous pouvez brûler. Vous pouvez également allumer l'encens, le pontifical, pour que l'ange, au lieu d'aller n'importe où, pour l'attirer vers vous, afin qu'il vienne écouter, qu'il vienne, n'est-ce pas, recueillir votre prière, et puisque c'est l'intermédiaire
entre Dieu et vous, l'ange gardien. Voilà. Donc, vous vous rappelez, chaque fois, il vous est arrivé de dire, hey, mon frère, tu es vraiment mon ange. Tu m'as sauvé, oh. Hey, tu es mon ange. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Sans toi, là, qu'est-ce que je pouvais être? Donc, le lundi est ce jour-là. Hein, vous pouvez concevoir. C'est pour ça que le lundi, c'est un jour très reposant. Les gens nous. Voilà, c'est le début de la semaine. On est trop concentré. Voilà. Quand tu rates le lundi, ta semaine est dans l'eau. Donc, le lundi, c'est le lundi, tu élabores tes projets. Il n'y a pas de distraction. Donc, en sortant de chez vous, faites autant de prières. Voilà. Parce que, ami bien disait d'ailleurs, un homme, une femme, sans un socle spirituel, est un homme, je dirais, dont je peux douter, n'est-ce pas, de son avenir. Si tu n'as pas un socle spirituel, ta vie ne donnera pas. Même si elle donne là, c'est pour un temps. Parce que c'est le spirituel qui tient tout. Donc, amis bien d'ici, nous avons parlé de lundi. Alors, à vous maintenant de comprendre que chaque lundi, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Après avoir fait toutes vos prières, même en 10 secondes, vous pouvez adresser vos prières à l'ange gardien Gabriel. Amis bien d'ici, d'ailleurs, je suis en direct, s'il vous plaît. Hein, je suis en direct, rappelez-moi après. Alors, comme je disais tantôt, et après le lundi, vous avez le mardi. Voilà. Le mardi, comme vous l'entendez, le mardi est gouverné par l'ange qu'on appelle Kamael. Voilà, Kamael. Et vous savez, le mardi est gouverné par la planète Mars. Voilà, Mars. Donc, le mardi également, c'est un jour qui symbolise la force. Et vous savez, dans la semaine, il y a deux jours où vous devrez, n'est-ce pas, faire tout rituel de désenvoûtement, de délivrance. C'est le mardi et le samedi. Mais parlons d'abord du mardi. Alors, l'encens que vous pouvez utiliser, il y a l'encens, n'est-ce pas, de la muscade, et son parfum, parce qu'il y a un parfum composé, n'est-ce pas, de muscade. Et il y a également que... quel encens encore là qu'on peut utiliser le mardi. Il y a aussi l'encens Nazareth. Voilà, l'encens Nazareth. Ce sont des encens que vous pouvez trouver facilement dans les boutiques ésotériques quand il est mardi. Alors, le mardi symbolise la force. Le mardi, qu'est-ce que nous pouvons faire le mardi? Le mardi nous aide, n'est-ce pas, à nous séparer de tout ce qui est négatif. Donc, vous avez des problèmes de santé, vous sollicitez la guérison. Et même sur le plan médicinal, c'est le mardi, généralement, qui est généralement choisi pour... le mardi est généralement choisi pour faire ce que j'appellerais ici des opérations chirurgicales. Donc, si on doit opérer un de vos parents, je vous en prie, le jour favorable, c'est le mardi. Voilà. Je fais ce direct pour déchirer vraiment le voile de l'ignorance, parce que c'est très important de parler de cette chose. Donc, le mardi, c'est ce jour où vous pouvez faire des rituels, des bains de désenvoûtement, tout ce qui est négatif, que vous voulez chasser, tout ce qui est négatif, tout ce qui est nuisible dans votre vie, c'est le mardi. Voilà. Donc, autre chose également. Il y a beaucoup, même sur le plan sentimental, le plan amoureux. Il y a des femmes, des hommes qui ont toujours eu cette occasion de se séparer de leur petite amie ou de leur petite amie. Le jour favorable, tout ce qui est négatif que vous voulez, vous débarrasser de tout ce qui est négatif, choisissez le mardi pour le faire. Vous vivez une relation où vous ne vous retrouvez plus. Généralement, les gens le samedi rentrent en bas de nuit. Je ne veux plus de toi, je ne veux plus, j'ai fini avec toi, j'ai fini, prends tes affaires, va aller chez toi. Non, ce n'est pas ça. L'amour là, la séparation là, est trop risquée. Si c'est un samedi, c'est dangereux. Le jour favorable, c'est le mardi. Tu appelles ton gars, tu lui dis vraiment, je souhaite rencontrer. Quand vous allez lui parler, je vous assure, même s'il est l'homme le plus violent au monde, le message va passer. Parce que le jour qu'on appelle mardi est ce jour fait pour ça. Et surtout qu'avant de le faire, vous invoquez l'ange Kamael. Voilà, vous lui dites. Parce que c'est ce jour
favorable pour enlever tout ce qui est négatif. Des empoisonnements, les envoûtements, les délivrances, tout, les bains, mardi et le samedi sont les deux jours dans la semaine faits pour vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Alors, quand vous êtes dans une relation amoureuse et vous voulez mettre un terme à cette relation, choisissez le mardi Agnès Coloco pour dire à votre amoureux ou bien à votre amoureuse que vraiment, je suis fatigué de cette relation, je suis fatigué, je ne veux plus d'elle, je ne veux plus de cette relation, c'est le mardi. Si tu dis ça à un autre jeune samedi, si on t'a giflé, si tu as dit c'est fini entre toi, il t'a giflé, ne dis pas que papa Manu il t'a... Mais si c'est le mardi, il n'aura pas le cœur de te gifler. Il n'aura pas. Ah, Lisa Bafoussam, donc tu veux dire à ton gars que c'est fini là. Ah, il faut choisir jour, le bon jour c'est le mardi. Et c'est ce jour qui est favorable pour vous raser. Vous voyez ma tête? C'est depuis mardi. Je me rase toujours chaque mardi. Ah, vous qui, vous les femmes, vous allez faire vos make-up. Lundi, tu es dans le salon de coiffure, on doit te coiffer. Bon, vendredi, n'en parlons plus. Samedi. Eh Dieu! Eh Dieu! Oh! Oh Seigneur! Vendredi, viens voir les femmes là. Elles sont là, elles font les make-up. Tout ce qu'elles vont faire, les négatifs, n'est pas même déjà bon. Mais le jour même fait, hein, Méline divine, Fomi, le jour même fait là, vendredi, le jour d'amour, c'est ce jour-là maintenant vous êtes en train de faire. Le jour où vous voulez coiffer vos enfants, le mardi est le jour idéal. Tout ce que vous voulez enlever, c'est négatif. Les cheveux, je ne les veux plus, ça devient nuisible pour moi, je vais me raser, c'est le mardi. Je me rase, le mardi. Donc faites autant pour vos enfants. Ami bien d'ici d'ailleurs. La vie, Dieu n'a rien qui est au hasard. Hein. C'est vous qui croyez que la vie là, c'est le hasard. Non! Tout est programmé. Tout est programmé. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Bon, lui, comme lui, il est miséricordieux. Parfois, on jongle, comme on dit souvent, même dans le désordre, on gagne. Sinon, celui qui connaît, là, il connaît, il a son résultat. Il y a des prières, tu fais ça. Il n'y a pas un jour où tu vas manquer chez toi. Nos parents au village ont ça, ils ont cette formule. Ils prient seulement. Ils prient, c'est fini. L'ange va envoyer la nourriture. Même si c'est à 23h59, il ne peut jamais dormir affamé. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. On monte, on descend, on se clone nous-mêmes. On se manque nous-mêmes. Hein? Vous voyez? Donc, amis miens d'ici, d'ailleurs, je vous en prie. Le mardi, retenez-le, c'est ce jour, MT l'élégance, c'est ce jour où vous pouvez, en douceur, avec assez de subtilité, avec assez de tact, pour dire à votre amoureux que vraiment la relation, c'est bon. Ne choisissez pas un autre jour. Igor, quoi, je t'ai pas oublié, mon frère. Je ne suis que l'ombre de moi-même, je ne suis plus moi-même. Sincèrement, je vous dis la vérité. Si y a un homme le plus occupé là, c'est moi. Même dans mon sommeil, je suis occupé. Dans mon propre sommeil, je suis occupé. Voilà. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, après dans le mardi, vous avez le mercredi. Voilà. Le mercredi, amis bien d'ici d'ailleurs, ça vient de Mercure. Comme vous pouvez le constater, l'ange, n'est-ce pas, qui gouverne ce jour, c'est Michael. Voilà. Nous devons l'invoquer pour qu'il demande au Tout-Puissant, pour qu'il intercède pour nous en notre faveur. Il est l'ange de la gloire. Il est tellement. Il aide beaucoup. Ceux, les grands compositeurs de musique, là, hein, c'est généralement les mercredis qui ont cette inspiration de composer, de faire de la créature, tout ce qui est artistique, et tout ce qui est beauté. Voilà, tout ce qui est, l'œuvre d'esprit, voilà, le mercredi, voilà, c'est le jour, parce que cette planète, le Mercure, voilà, et c'est ce grand jour, vous savez, le Mercure, c'est l'un des éléments qui entre dans la fabrication, n'est-ce pas, de l'argent. C'est pourquoi le mercredi, c'est un très grand jour, un jour où, d'abord, vous devez éviter, n'est-ce pas, d'être en retard. En fait, de rentrer tardivement le mercredi, c'est-à-dire les couches tard, là, éviter.
Hein? Le mercredi est un jour. Évitez aussi de vous laver tardivement le mercredi. Ce n'est pas n'importe quel jour ce mercredi-là, le mercredi que vous voyez. C'est un jour pour le jeton. Alors, c'est un jour où vous devrez utiliser, n'est-ce pas, l'encens de la manne. Et c'est un jour où vous devrez, n'est-ce pas, éviter toute intention de prière qui est négative. Ah, je veux que l'homme là fasse un accident. Je veux que la go là commence à séparer, m'a dit. Hein. Je veux que qu'elle meure. Évitez toute intention négative. Évitez toute parole nocive, toute parole chargée négativement. Évitez. Même si vous le faites, vous demandez pardon. Donc c'est ce jour. Aussi les disputes, les discordes, les mésententes. Non, c'est un jour où on demande pardon. C'est un jour pour des démarches. C'est un jour pour des prières assez favorables. Et ce jour, je vous en prie, amis miens d'ici d'ailleurs, mettez ça dans votre menu du jour, le mercredi. Habillez-vous toujours en jaune. Vous allez voir, ça va beaucoup vous profiter. Donc, évitez de rentrer tard. Même si vous le travail, c'est le travail qui vous retient, que vous rentrez tard, demandez à l'ange Michael, n'est-ce pas, de vous aider, hein, de vous couvrir et de vous éloigner, n'est-ce pas, de tout mal. Je vous en prie. Si vous voulez faire cette expérience chaque mercredi, habillez-vous en jaune. Vous allez voir, même au niveau du lieu de travail, on va vous considérer autrement. Voilà, les gens vont vous voir autrement. Vous serez beaucoup plus. Vous allez plaire et vous allez attirer. Voilà, tout ça, ce n'est pas des choses faites au hasard. Et la bougie qu'il faut même vraiment allumer, c'est la bougie verte. Vous voyez, ça va avec l'argent, la couleur verte, et ça va avec l'argent. Et vous pouvez utiliser l'encens. Le romarin, c'est très bon. Voilà. Alors, après, donc, le mercredi, amis miens d'ici, d'ailleurs, vous avez le jeudi. Le jeudi, vous avez cette planète qui est gouvernée par Jupiter. Et l'ange qui gouverne le jeudi s'appelle Zachiel, appelons ça comme ça. C'est l'ange, n'est-ce pas, de la miséricorde. C'est l'ange de la justice, le jeudi. Ah, ça ne rit pas, hein? Voilà. On prie généralement cet ange pour décanter des situations, n'est-ce pas, d'ordre financier. Ça ne va pas, problème, n'est-ce pas, les gens qui ont généralement les problèmes de perte d'argent, les gens qui ont les problèmes de quand l'argent entre, ça sort, les gens pour réussir même des interviews, des entretiens, des examens, gagner un procès, c'est un jour, n'est-ce pas, lié qui a un trait avec la miséricorde et la justice. Donc, vous voulez gagner un procès. Donc, cet ange-là, vous l'invoquez. Et si le procès a lieu un jeudi et vous avez le code, soyez en sûr que vous allez gagner le procès. Donc, l'encens que vous devez utiliser beaucoup plus, il y a l'encens rue des Jardins. Voilà, l'encens rue des Jardins. Ça se vend dans les boutiques ésotériques. Et vous allumez avec une bougie bleue. Voilà, et vous faites vos prières avec le jeudi, et pour demander à l'ange Zachiel, n'est-ce pas, de vous aider, de vous accompagner, d'être devant vous, derrière vous, pour, n'est-ce pas, vous accompagner. Parce que, amis bien disait d'ailleurs, vraiment, nous vivons un monde assez difficile et très complexe. C'est très, très difficile, vraiment. Quand le jour arrive, le jour se lève, tu es là. Après la nuit tombe, tu es là, tu dors et le lendemain, dis gloire à Dieu. Dieu t'a beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup. Parce que toutes les conditions sont réunies pour que nous chutons. Voilà. Donc, Moissou, voilà. Karine Jean-Baptiste, sois bénie, ma grande. Alors, après, vous avez donc le vendredi, voilà, planète Vénus, qui est gouvernée par Aniel. Aniel veut dire beauté de Dieu. Aniel, ça veut dire beauté de Dieu. Alors, c'est le vendredi, on ne peut que parler de tout ce qui est beau, de tout ce qui est amour, de tout ce qui est harmonie, de tout ce qui est victoire, de tout ce qui est, je peux dire, en fait, de tout ce qui est amour. Voilà, l'amour. Le vendredi, c'est amour. Les prières, tu veux. Pour un mariage, le vendredi, c'est très bon, mais il faut également choisir la position, voir aussi la position de la lune. Ah, si le vendredi tombe bien, ne vous mariez pas n'importe quel vendredi. C'est pas parce que le vendredi,
Eh bien, pour le mariage que vous allez vous engager, comme ça, ce n'est pas. La prophétesse Jeanne Esther, sois bénie, ma grande, que Dieu te bénisse. Voilà donc le vendredi est ce jour vraiment idéal. Et l'ange que vous devez prier, c'est Aniel. Voilà, Aniel, voilà, pour tout ce qui est tendresse, amour, affection, régler vos problèmes sentimentaux, ça ne va pas. Ma femme a quitté la maison. Voilà, quand une femme est mariée, s'il y a problème et que tu sors, tu veux quitter le foyer, quitte le foyer, mais ne pars pas chez tes parents, pas chez les parents de ton mari. C'est souvent l'erreur que vous commettez. En allant chez tes parents, tu donnes, en fait, c'est une manière, peut-être que les gens le font d'une manière inconsciente, c'est une manière pour dire que vraiment tu ne veux plus, tu veux le divorce. Donc chaque fois que vous avez un problème, même si tu avais un gars, vous vivez comme ça, beau et gars, s'il y a un problème, ne pars pas chez tes parents, pas chez ses parents, soit chez son grand frère, sa grande soeur, voilà. En ce moment, un jour, deux jours, ses parents vont dire, viens chercher ta femme. Même s'il y a des problèmes, n'importe quel problème, viens vous. Quand tu pars déjà chez tes parents, ça veut dire que tu es retourné à la source. Donc tu es retourné de madame, tu retournes à la jeune fille. Et là-bas, ça veut dire que tes parents vont te drôloter. Alors que si tu es là-bas, tu es toujours dans le mariage. Donc c'est des erreurs que vous commettez. Après, vous allez gratter vos têtes. Eh, va, Manou, le mariage ne me sourit pas. Ah, Manou, non, 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 non. La vie, là, c'est pion, hein. Tu tapes ici, tu gagnes, tu tapes là, tu gagnes. Si tu tapes, tu ne gagnes pas, tu t'interroges. Voilà, c'est très important. Alors, la bougie allumée, la bougie rose, tout naturellement, voilà, tout naturellement, l'encens, l'encens rose, vous allumez et vous faites vos prières en demandant à Aniel de vous aider. Pour ceux aussi qui ont des problèmes sentimentaux, ça ne va pas. Je suis très content parce que, grâce à Dieu, c'est un couple depuis 2 ans qui ne se parle pas. Voilà, ils vivent en Italie. La dame m'a écouté un soir. Elle dit, mais ce monsieur, il parle bien. Donc, il y a des gens qui ont eu ma page Facebook par révélation. C'est-à-dire, dans le rêve, Dieu lui dit, va chercher Facebook de l'homme là. Ta solution, c'est pour. C'est comme ça, Dieu. Il place sur notre chemin qu'il veut. Les éléments qu'il veut pour faire sa volonté. C'est comme ça, Dieu. Il peut placer un fou qui va faire sa volonté. Donc, ce n'est pas qu'on est Dieu. On est rien. Je ne vaux rien. Mon rôle, je suis cet intermédiaire. Peut-être pour te donner la clé, l'information qu'il te faut par rapport à un problème donné. Je suis un mortel. J'ai mes qualités et j'ai mes défauts. Je ne suis pas Dieu. Voilà. Moi-même, je me cherche, comme on dit. Parce que je suis mortel. Donc, avec ça dit tout. Alors, la dame, elle me contacte. Elle me dit, monsieur, j'ai eu votre Facebook par révélation. J'ai dit, quoi? Ah, tiens. Je sais que chaque fois, je suis dans les rêves des gens aux États-Unis, en Allemagne. Papa, j'ai rêvé de toi. Papa, j'ai fait ces choses. Ah, cette fois-ci, c'est pas rêve. Il dit par révélation, oui. Ah, mon mari, depuis 2 ans, vraiment, il vient à la maison, il dort au salon, on partage. J'ai dit, mais ça, c'est rien. Madame, ça, c'est rien. Et il mange ta nourriture, oui. Mais il ne me touche plus. Tu, femme, oh, la fatigue, la casse, son paysage, je peux vous. Tu dis quoi? Il me touche plus. T'as touché comme non? Si t'as touché, c'est bon, non? Non, 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 non. Il me touche plus, vraiment. Quoi? Il te touche pas comment? Parle sur le morceau. Ah, ça s'en fait. Mais vous n'êtes pas un enfant, monsieur. J'ai dit non, mais je ne comprends pas. Dis les mots. Si c'est le chat, dis le chat. Donc, il ne dort plus dans la chambre conjugale, quoi. Oui? Bon, et s'il dort là, ça se passe quoi? Il ne me touche pas, monsieur. Ah, moi aussi, je fais comme si je ne comprends pas. Non, quand une femme est à la maison, il n'y a rien de cruel. La femme est à la maison. L'homme rationne. Il fait tout. La femme prépare. Il mange. Mais toucher, il ne touche pas. Ah! Non, femme pour mourir. Si tu fais ça, une femme là. Oh, oh. Une autre m'a dit, mais papa Manou, j'ai cherché un petit sapin. C'est faux. Sapin pompier là, il va faire une fois, deux fois, trois fois. L'homme là, ton mari qui est là. Non, 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 non. Si tu n'as pas touché, c'est comme si. Il veut dire que tu n'existes plus. Mets les mains comme tu veux et dis, touche plus. Ah! Elle peut devenir folle. À ce moment. Voilà. La connexion a été restaurée. Merci beaucoup.
Voilà, ami bien d'ici, et d'ailleurs, je m'excuse, hein, la connexion nous avait lâché. Oh mon Dieu, la connexion nous avait lâché. Voilà, ça va très vite, hein. En quelques secondes, les gens ne perdent pas le temps. Facebook, c'est. Voilà, Justine Galbani, Perrine Ernestine, maman Perrine, oh, je t'attends, donne-moi les nouvelles, non, maman? Maman, la star, hein? Tu me donnes pas les nouvelles à cause de quoi? Saturine, Ablawa, Igor Kwam, ça va aller, ça ira. J'attendrai papa, Lisa Bafoussam, Philbert, bonsoir madame. Bonsoir, Philbert. Voilà, la connexion nous a fait un petit sale coup là. Bon, c'est revenu. Voilà. Bon, on avait fini de parler de vendredi. J'étais même en train de dire quoi. Bon, c'était un témoignage d'une dame, je crois, 2 ans. Bon, aujourd'hui, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Voilà. Après, donc, vendredi, nous avons samedi. Nous avons samedi, Fulbert est là, maman Lacoumi aussi est là. Nous avons samedi qui est gouverné par la planète Saturne. L'ange gardien, FC Bello. Voilà, l'ange de samedi s'appelle Zaptiel. Zaptiel. Voilà, c'est l'ange de la sagesse. Voilà, il est le dirigeant de Saturne. Le métal qu'on peut utiliser, Amman Bacchus, bon, mais ce n'est pas important avec toutes ces histoires de ce qu'on peut utiliser. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le samedi, et comme je le disais au début, n'est-ce pas, de ce direct, le samedi est également ce jour où nous pouvons, amis miens d'ici d'ailleurs, nous débarrasser, n'est-ce pas, des choses nuisibles. Nati, au Koulibaly, bonne année, ma grande, maman Nati. Comment tu vas, ma grande? Ça va? Bravo, la Côte d'Ivoire a gagné hier. La Côte d'Ivoire a gagné. Ils ont même créé un village, il faut que je. C'est pas si demain, non, pas demain, dimanche soir, oui. Je vais aller dans le village ivoirien manger du bon attiéké là-bas. Ils ont tout un village, ils aiment chaud. On joue le zouglou, on joue le zouglou, le mapouka, un peu de tout, ouais. Le coupé décalé, ouais. Le village, c'est chic, hein, ivoirien. Ils aiment Nyanga. Le peuple frère ivoirien. Donc, amis miens d'ici, comme je disais tantôt, le samedi est également ce jour très, très favorable pour. Enlever tout ce qui est nocif, tout ce qui est négatif. Vous voyez, voilà, il y a le mardi, le samedi, voilà. Et même des bains, quand vous voulez commencer des bains, on vous dit oui, des bains de purification, des bains de désenvoûtement. On ne vous dit pas quel jour il faut commencer. Vous voyez, donc, les 2 bons jours, c'est le mardi ou le samedi. Et surtout en regardant la position de la Lune, et la meilleure période, c'est quand la Lune est décroissante. Voilà, vous le faites soit le mardi, soit le samedi. Alors, c'est un jour pour chasser toute énergie négative. Vous avez l'encens qui chasse toute énergie négative, si vous l'avez, les mardis et les samedis, quand vous brûlez, l'effet est double. Vous comprenez? Mais cet encens, vous pouvez le brûler chaque jour de votre menu du jour. Mais le mardi et le samedi, vous allez sentir que cet encens agit beaucoup. Ouais, quand tu as insulté, méprisé ta belle-femme, mais tu vas là-bas, mon frère. Il y a un qui va te recevoir. Belle-famille, il y a beaucoup. Il y a le grand frère de ton mari. Il y a la grande soeur de ton mari. Il y a petit frère de ton mari. Il y a petite soeur de ton mari. Il y a côté maternel de ton mari. Côté paternel de ton mari. Il y a des oncles, des tantes. Tu vas là-bas. Même si tu as insulté. C'est le code, c'est le secret. Tu peux pas que dans une relation, ça ne va pas. Avec ton mari, tu quittes pour aller chez tes parents. Non, ça veut dire que tu as divorcé. Tu as divorcé. Va là-bas. Ça va les caler au cou. Parce que chez l'oncle,
Sur l'oncle de ton mari, l'oncle de ton mari, on peut appeler ou c'est beau-oncle ou c'est quoi là. Lui, quand tu as fait un jour, deux jours, il a les charges. Il ne peut pas, tu manges parce que tu es l'enfant de son fils. Hein? Voilà. Un jour, deux jours, il va appeler son fils pour dire, mais petit, c'est quoi? Ta femme est chez moi, il faut venir la chercher, il y a quel problème? Vous voyez, alors que si c'est chez tes parents, non, ils n'auront pas. Tu es chez toi. Et une fois, deux fois, maintenant, elle va commencer à sortir, chercher les ex. Ça va? Alors que là-bas, elle est toujours dans le mariage. C'est comme ça qu'il faut faire. La vie, là, c'est ça. Ah, même si tu as insulté, tu n'as pas insulté toute la belle famille. Il y a un au moins dedans qui va aimer ton affaire, qui va dire, oui, tu as fait, laisse, je me porte garant d'arranger la chose. Je vais aller demander pardon à ta place. Oui, il y en a. Alors que si tu vas chez tes parents, c'est fini. Qui va encore venir plaider, prendre ta défense? Personne. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire ces choses-là. Donc, comme je disais à Mimien Dissé d'ailleurs, c'est ce jour où vous devrez, n'est-ce pas, réparer des injustices, les injustices sociales, les injustices sentimentales. Voilà, c'est ce jour, le samedi. En tout cas, où vous devez faire tout ce qui est négatif et enlever tout ça. Donc, Amémien Dissé d'ailleurs, et la bougie que vous devez, la couleur de la bougie que vous devez utiliser, c'est la bougie noire. Je voudrais un peu revenir, ou l'indigo. Je voudrais un peu revenir pour parler. L'encens, vous pouvez utiliser l'encens Jérusalem. Il y a également l'encens l'ostouras, voilà, que vous pouvez également utiliser. Il y a encore quel encens? Je crois déjà les deux là même c'est suffisant, c'est bon. La bougie noire, quand vous l'allumez, ami bien d'ici d'ailleurs, si la cire de la bougie est normale, ça finit, c'est bon, c'est bien. Ça veut dire que et sur vous et dans votre entourage, il n'y a pas des énergies négatives, il n'y a pas quelque chose de négatif. Voilà. Donc ça veut dire que c'est bon. Parce que cette bougie noire, et surtout quand vous l'allumez le premier samedi de chaque mois, ça a donc ce pouvoir d'absorber tout ce qui est négatif en vous et dans votre entourage. Ami bien disait d'ailleurs. Alors, la bougie ne pourra plus se consumer en étant dans une position normale. Toujours, la cire va prendre une forme. Ça peut être un oiseau, un serpent, ça peut être n'importe quelle forme. Donc, il ne faut pas que ça vous étonne. Sachez quand vous voyez ça, sachez que la bougie, c'est vrai, on peut vous interpréter. Mais quand déjà la forme n'est pas quelque chose, parfois ça prend la tête d'un homme, ça prend des formes spirales, ça prend vraiment des formes difficiles même à interpréter. Dites-vous, dites seulement merci. Dites seulement merci à l'ange gardien, et merci à cette bougie d'avoir, n'est-ce pas, absorbé tout ce qui est négatif. Donc c'est un très, la bougie a fait son travail. Donc la bougie a fait son travail. Maintenant il vous revient de prendre connaissance et de travailler davantage pour enlever toutes ces négativités, n'est-ce pas, dans votre vie ou alors dans sur vous, dans votre entour, dans votre environnement. Alors, il y a donc le dernier jour qui est le dimanche. Le dimanche, voilà. L'ange, n'est-ce pas, de ce jour s'appelle Raphaël. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, c'est l'ange de la guérison, c'est l'ange de la santé. En quelque sorte, quand vous avez la santé, ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle la renaissance. Je tombe malade, ça veut dire que je suis réveillé. J'ai donc le corps, donc je ne suis plus la personne d'il y a peut-être deux jours, cinq jours ou un mois. Ça veut dire que je suis malade. Je ne suis plus la même personne. Vous voyez, donc le dimanche, cet ange-là, Raphaël, est cet ange, n'est-ce pas, de la guérison. Il nous donne ce qu'on appelle la renaissance. C'est-à-dire que d'autres corps vont renaître. Donc, ce jour est très favorable pour se débarrasser de tous nos maux. Vous allez voir, vous allez vous ressentir nouveau. Hein, dimanche, vous allez vous ressentir nouveau. C'est ce jour où on va dans les églises, les mosquées pour prier. Voilà.
ce jour, n'est-ce pas, qu'on cherche vraiment la face de Dieu, et c'est le jour, n'est-ce pas, qui nous permet, n'est-ce pas, d'adorer Dieu, de lui adresser toutes nos prières, voilà. Donc, surtout les prières de guérison, ce jour, le dimanche, voilà. Vous pouvez prier avec une bougie jaune et l'encens, vous pouvez allumer l'encens, comment on appelle encore cet encens, vous pouvez allumer l'encens du Liban, vous pouvez également allumer l'encens de Jérusalem, voilà. Donc, comme bien dit d'ailleurs, vous avez dans les 7 jours, vous pouvez déjà comprendre pourquoi, comment vous pouvez utiliser ces jours pour mieux, n'est-ce pas? Bonsoir papa, c'est pas de votre faute, on vous comprend. Amina Nat, merci. Donc, vous pouvez déjà savoir qu'est-ce que je fais avec telle chose, tel jour et tel autre jour. Dans la semaine, vous avez, et peut-être qu'on doit vous opérer, et si on vous programme le jeudi, dites non, je souhaite me faire opérer un mardi. Voilà, quelle que soit l'opération chirurgicale, le docteur va dire non, cette femme-là, ou ce monsieur, il connaît. Voilà, il connaît. Donc, c'est très, très important de maîtriser ces petites choses, parce que c'est vraiment, c'est très capital. Le mal de ce monde, c'est l'ignorance. Le mal de ce monde, c'est l'ignorance. Voilà, je continue à le dire pour ceux qui sont, comment faire pour trouver l'amour, pour trouver l'âme sœur. La pierre qu'on appelle le quartz rose, en pendentif, c'est-à-dire vous mettez ça comme ça là, hein, pour que cette pierre touche, hein, pas au niveau, n'est-ce pas, de votre cœur. Voilà, et chaque fois que vous voulez dormir, vous prenez ça pour mettre ça tout près du lit ou bien sous l'oreiller. Ça va vous aider à trouver facilement que l'amour. Voilà, l'amour. Mm-hmm. Pour ceux qui veulent stabiliser une relation qui devient très très difficile, et à ma fille qui est en Belgique, je crois qu'elle est en Belgique ou en Suisse, voilà, il faut chercher le quartz rose et tu associes ça avec le chrysocol. Voilà, et porte ça sur toi, tu vas voir qu'il y aura un très grand changement. Un très grand changement. L'homme entre, il sort, il n'a pas ton temps, ne te fatigue pas. Il y a aussi les plantes qui agissent. Et même le sergium pour vous aider. Voilà. Donc, tu mets ça, tu vas voir que la relation qui était difficile va commencer à s'assouplir, elle va commencer à être tendre. Ça va, la situation va changer au fur et à mesure très possiblement. Alors, pour ceux qui voudront, pour celles ou ceux, et j'ai quelqu'un qui est en France ou en Belgique, je ne sais pas où il est, il m'a dit qu'il est à la recherche d'une âme sœur et du travail. Et donc, il est célibataire, il est à la recherche d'une femme. Il est en France, ou c'est pas France, c'est Belgique ou Italie, Angleterre, que c'est quoi pays, c'est un Africain. Voilà. Et ce qui est surprenant, c'est les femmes qui cherchent des hommes. Donc, un homme qui dit qu'il cherche une femme là, et en plus qu'il est un Belgique, ça, c'est vraiment étonnant. Mais c'est possible. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas chanceux en amour. Voilà, c'est possible. Donc, si vous voulez stimuler des nouvelles rencontres amoureuses, utilisez donc le quartz rose. Avec cette plante, cette pierre qu'on appelle l'azurite malachite, dont les deux sont associés, vous portez. Vous allez voir, il y a une de mes filles, elle m'a même envoyé les photos, que papa, je viens de Moby, et depuis qu'elle sort, les gens la claquent, ou avant qu'on ne lui dirait même pas bonjour. Vous savez, la femme aime, même quand elle est mariée, la femme aime quand on la claque. Il ne s'est pas dit que se faire claquer veut dire tout simplement que non, tu es prostituée. C'est ça, la femme aime ça. Maintenant, vous êtes jolie, vous êtes belle. Maintenant, vous êtes bien habillée. Maintenant, vous avez un joli sourire. Maintenant, vous avez une démarche. Quand vous marchez, on dirait une divinité qui se déplace. Maintenant, votre voix, vous avez des belles joues, on dirait des balles, n'est-ce pas, du Liban. Maintenant, vous avez des yeux qui peuvent captiver, qui peuvent immortaliser un ange. Et quand moi, j'étais enfant, je draguais. Non, oh, je savais draguer femme. Mais tout ça, est fini. Oh, quand tu vois où là, tu vois. Ah, tu es voyou là, tu es voyou. Aujourd'hui, on parle de Dieu. On parle de Dieu. Bon, Coco, sois béni, ma grande. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Une heure de direct. Excusez, Marius, sois béni. Méline divine. Marie-Victoire Tenden. Que Dieu te bénisse. Stéphanie Cancana. Que Dieu te bénisse aussi.
Ah, Linda, Somda, que Dieu veille sur toi et que Dieu te préserve de tout mal. Voilà, c'est bon pour ce soir. On a rendez-vous demain pour un dangereux direct. Très, très dangereux parce que juste après ce direct, je vais voyager. Voilà, Françoise, Natacha Derival, Justine Galbani, Natacha Derival. Que Dieu exauce toutes tes prières, ma grande. Voilà. 2022 ne finira point sans que tu ne voies la gloire de Dieu. Voilà. Méline Divine Fomi, ça va, Yaoundé? Voilà, c'était Papa Manou, 1 heure de direct. Voilà, les pieds arrivent, hein, tout progressivement. On va se ravitailler doucement, doucement, doucement. Ça va aller, hein. Soyons patients. Voilà, merci une fois de plus pour votre patience. Esther Moulendé, François Nzondo, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était Papa Manou. Demain, nous serons ensemble. Je vais parler de quoi? Des choses qui attirent l'argent. Les gens l'aiment. Je t'en ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. L'encens Yod bientôt sera disponible à Abidjan. Voilà. C'est l'un des puissants encens qui vous attire incroyablement l'argent. Les gens, quand ils comprennent, se disent, mais le monsieur là, il est bête, quoi. Il est même sérieux. Comment l'on peut attirer l'argent? Oh, l'argent. Voilà. Bon. Je vous souhaite une très très bonne nuit, que Dieu veille sur vous, que tous les anges du ciel inondent votre domicile, vos lieux de prière, et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Merci infiniment pour m'avoir accordé 1 heure de votre précieux temps à m'écouter. Voilà, on n'écoute pas tout le monde, hein. On s'est utilisé pour que samedi soit quoi? Pour que samedi soit bon, ensemble de Jérusalem, merci. Il y a déjà des gens qui peuvent nous répondre. Enu Jalonen, que Dieu te bénisse aussi, ma grande. Merci beaucoup. Olga Pongo, que Dieu te bénisse. Nomo Awa, Mami Awa. Demain, à la même heure, nous allons faire le direct. Voilà, nous allons faire le direct avant que je. Voilà. Donc, c'était Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous utilisons sur Facebook et sur YouTube. Sur YouTube, c'est un mode différé, mais je crois que d'ici quelques temps, les choses seront, quand je suis sur Facebook, en même temps, je suis sur YouTube. Voilà. Que Dieu nous inonde de toutes ses faveurs. Que Dieu bénisse nos vies, que Dieu veille sur nos enfants, qu'il nous aide. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00237, qui est l'indicatif du Cameroun, 671 34 09 97, 97. Voilà le numéro. Natacha Derivel. Sois bénie, ma grande. 00237 671 34 09 97. Laissez-moi un audio ou un message, je vous réponds. Je vous répondrai. Chaque jour, j'ai au minimum 50 messages à répondre. Parfois, 10 à 15 rêves à interpréter, c'est pas vraiment facile. Quelqu'un me disait, Papa Manu, il faut bien te reposer, hein, parce que tu reçois nos tristesses, nos malheurs pour nous donner le bonheur. Et comme ça va te décharger, c'est vrai. Je devrais chaque fois me décharger de toutes ces ondes négatives. Le téléphone, oui, Papa Manou, comme tu vois là, il y a eu ceci, y a tout ce qui est négatif. Moi, je suis obligé de te donner ce qui est positif. C'est ça la vie. C'est pour ça que je suis ton fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et anglais. Bonne nuit à vous et à demain si Dieu le veut bien.